C'est une descente musclée qu'a effectuée le maire de Libreville à l'aurore de la matinée ce jour, sur plusieurs sites courtisés par certains commerçants de Libreville. L'opération Libérer les trottoirs, annoncée il y a quelque temps par l'autorité municipale, rentre dans sa phase d'application. On a averti depuis, hein. On ne va pas passer le temps à avertir. Donc ils savent déjà qu'ils ne doivent pas se mettre sur la voie publique. Donc l'opération a commencé, on ne va plus s'arrêter. C'est toute la ville, donc vous verrez qu'on fera un peu partout, presque tous les arrondissements, mais progressivement. Donc ils devraient comprendre qu'ils ne doivent pas se mettre sur les trottoirs. Donc, mais ces commerçants ont des marchés. Malheureusement, les marchés ont été construits, les marchés sont vides. Ils préfèrent vendre sur les trottoirs que de vendre dans les marchés. Malheureusement surpris, mécontente de la procédure pour certains et plutôt satisfait pour d'autres. Sur la question, les avis restent divergents. Le lendemain matin, une maman se réveille, elle a eu sa marchandise et elle vient peut-être pour installer. Et le matin, se réveille, c'est rien n'est là. Maintenant, vous voulez qu'elle réagisse comment? Parce que c'est une bonne idée aussi pour la mairie, pour nettoyer, parce qu'ici, vraiment, c'est vraiment serré. Et puis les embouteillages, à tout moment, c'était trop. Mais je ne sais pas si vraiment les commerçants sont au courant de ce nettoyage qu'il y a là, à ce moment. C'est un signal fort que Léandre Zuy souhaite faire passer à l'ensemble des occupants des espaces de manière anarchique, car l'opération se poursuivra dans l'ensemble des arrondissements.